Bonjour, je vous présente Démineur Extrême, le jeu que je suis en train de développer pour les Thompson 8 bits. Alors actuellement c'est que les TO 8, les TO 9 et TO 9 Plus, parce que ça utilise le logo pour la souris, et donc ça peut pas être utilisé pour les TO 7. Et il y aura une version ultérieure pour MO 5 et MO, enfin pour MO 6 et MO 5 NR. Donc j'appuie sur B, et donc. Alors, le premier changement par rapport à la version d'avant, c'est que là, on entre un pseudo qui servira pour les tableaux des records. Ce sera le seul pseudo, le même pseudo pour toute la session en fait. Ça évite à chaque fois de retaper le nom, etc. Donc, vous choisissez bien le pseudo. Donc, il y a toujours les 10 niveaux, hein, les 16 niveaux, pardon, de 0 à F. Et quitter pour quitter. Alors, si je fais kill, Q là, ça met Q. Donc, je fais run à nouveau. Donc je retape. Donc là je choisis un niveau, hein, au hasard je vais choisir le 0. Donc on a l'image qui se charge. Mais cette fois par rapport à avant, c'est que l'image se charge tant qu'on joue au même niveau en fait. Elle est chargée, il n'y a pas besoin de la recharger à chaque fois. Et donc on a 4 menus là, enfin 4 entrées de menu, nouvelle partie, voir record. Alors si je tape sur 1. Donc c'est niveau 0 fichier l'héros, donc c'est l'image et l'héros. Et on a les records actuels, qui sont Angus MacDonald, voilà, ça rappelle une certaine série télé. Donc je tape sur n'importe quelle touche, hein, et là je joue le niveau, je tape sur 0 pour une nouvelle partie. Alors comme précédemment, je tape sur P, je mets le jeu en pause, vous voyez ça se met en pause. Et ça charge l'image de fond. Je retape sur P. Voilà, et je retrouve le jeu où j'étais avant. Voilà. Alors là, hop. Hop. Là, normalement, il n'y a pas. Donc il y a ça. Il y a ça. Ça. Ah, je suis trompé. Alors là, vous voyez, j'ai perdu. Et j'ai le choix soit de rejouer la même partie. En tapant sur R, donc ça c'est une nouveauté, hein. Je tape sur R. Et vous avez bien visualisé le truc, hein. Donc là, si je tape. Bon, si je tape là, hop. Alors si je tape là, eh bien on a exactement les mêmes mines qu'auparavant. Si vous regardez la vidéo 15 secondes en arrière. Donc là, si je peux taper sur n'importe quelle touche sauf le R. Alors le R c'est soit majuscule, soit minuscule, hein. Donc voilà. Et je retape sur 0, nouvelle partie. Donc voilà, hop. Alors si je clique là, ça fait quoi? Ok. Ah bah décidément. Bon, je fais R parce que là, je vais pas rester sur un échec. C'est fou ça quand même. Celui-là, hop, donc c'est pas celui-là, c'est celui-là. Là, on a comme d'habitude gagné ou perdu, d'accord? Et si je tape sur une touche, parce que là j'ai gagné, et que si le score fait partie des 10 premiers scores, là c'était le cas, j'étais à 30 secondes. Eh ben, mon record est rentré dans le Hall of Fame, du niveau 0. Donc je tape sur n'importe quelle touche. Là, je regarde les scores. Effectivement, le quatrième, c'est moi, Neo Tenia. Donc là, je vais à 3 pour jouer à un autre niveau. Je vais faire le C. Hop. Donc en fait, tant qu'on reste au même niveau, l'image ne se charge pas. Je regarde les records là. Riley, Delish, Clouse. Alors en fait, vous voyez, Angus MacDonald, Riley, Matty, James MacDonald, Murdoch, ça vous rappelle les personnages d'une célèbre série télé. Ok, donc je tape sur n'importe quelle touche. Là, je fais 0 nouvelle partie. Ok, alors je regardais bien le score là. Je fais sur R pour rejouer la même partie. Et donc là, cette fois, je vais cliquer en bas à gauche.
En fait, c'est le même tableau qui se conserve, mais... C'est pas ça, donc c'est pas ça, c'est celui-là. Ah zut! Bon, je refais une partie. Je me suis planté. Allez hop. Hop. Donc là, je fais gaffe quand même. Je suis là, là il y en a un. Hop, je me plante pas là. Voilà. Donc il y a celui-là. Il y a celui-là. Celui-là. Là. Donc il n'y a pas celui-là. Il y a celui-là. Celui-là. Voilà. Donc là je suis à 41 secondes. On va vérifier. Ah, ça a mis 42 là. Bon, ben ça a dû. Il y a dû avoir un petit décalage de quelques dixièmes. Donc 42 secondes. Et je suis quatrième place, c'est derrière Matty et devant James McDonough, qui est le père de Angus McDonough. Voilà. Donc là, je fais 3. Là, je fais Q. Et il y a un logiciel dans le jeu qui fait que on peut réinitialiser tous les scores à 0. Donc en fait, je fais Run. Init score. Donc je fais run ini score et là ça a remis les scores à 0. Donc là je fais run auto.bat. Là je mets Toto. Je vais au niveau 0. Là j'aurai des records. Et là, le nom qui était inscrit précédemment, il a été effacé. Donc en fait, le logiciel initScore, il réinitialise tous les scores, il remet tout à 0. Alors, comme vous avez vu là, il y a également réinitialiser record. En fait, là, sur ce menu-là, c'est pour réinitialiser les records du tableau en cours, là. Voilà. Donc je quitte. C'était la nouvelle version des mineurs extrêmes sur Thomson TO8, TO9 et TO9+. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.